Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul action. Alors, je ne vais pas dire petit, puisque j'y suis allée pour trois trucs, me semble-t-il, et que j'en ai eu pour 85 euros. Donc, je vous mets ce make-up dans le petit et en barre d'infos. Je vous affiche les prix et on commence tout de suite, comme ça va vite. Mais j'en ai pour 85 balles, comme 84 et des cacahuètes. Alors, bien sûr, j'ai repris un paquet pour moi et un paquet pour Georges, mais Georges, je l'ai déjà enfilé de chips barbecue. Voilà, c'est vraiment mes chips préférées. J'adore ces chips, elles sont trop bonnes. Je crois que ça avait été plusieurs à aller les chercher aussi d'ailleurs. J'ai vu ces prix des Deep Dish Pizza. Voilà, c'est des comme les curly, forme des curly. Et ça apparemment au goût de pizza. Donc je goûterai quand il les aura ouvertes. Alors il s'est pris encore. Mais encore. Il y en a qui traînent partout dans la maison. C'est juste qu'il ne sait jamais où il range ses affaires. Une boîte Fisher de vis et cheville, 150 pièces, et voilà, dans une boîte de rangement. Alors à chaque fois je dis, ouais cool, je pourrais récupérer la boîte de rangement, mais comme il sait jamais où il les range, il en rachète des nouvelles et les anciennes disparaissent. Donc je ne récupère jamais les boîtes de rangement. Je ne sais pas si vos hommes sont aussi ordonnés dans leurs outils que le mien, mais c'est extrêmement chiant. J'ai pris, ça vous verrez dans le vlog, dans le prochain vlog, un plaid pour mettre sur mon canapé, puisque j'essaie de rénover mon canapé, de lui donner un coup de neuf. Et celui-ci ira très bien avec, c'est une de 140 sur 180 cm, 100% polyester, blanquette soft and warm. C'est juste pour mettre sur l'assise, en fait, que ce soit assez confo, et il y a des petites lignes dedans. Voilà, c'est vert... C'est un peu pastel, un peu olive. Je ne sais pas trop définir la couleur. C'est juste très joli. Et voilà, ça ira très bien sur mon fauteuil. Je ne sais pas où le mettre. Alors, la fameuse brosse pour les poils collantes. Voilà, avec trois recharges. Ici, on carbure à ça, hein, avec les poils. Voilà, j'ai tous les matins avant d'aller travailler, Georges avant d'aller à l'école. Petit coup pour enlever tous les poils, surtout que Ryan est en train de muer, donc on a des poils partout. Donc c'est toujours très utile. Chéri s'est repris ses chips de banane. Je crois qu'il en a pris deux, mais ouais, l'autre est juste là. Et voilà, ça vous connaissez par cœur aussi. Alors, il nous fallait, donc ça c'était un des trucs pour lesquels on y allait, des sacs poubelles. Alors, il y a deux formats, il a pris des formats 50 litres, voilà, il y en a 10. Alors que nous, on est obligé d'utiliser les sacs poubelles de la commune, hein, mais bon. Et il a pris une fois les 60 litres. Donc, ici vous en avez 10, ici vous en avez 15. Pourquoi ? Je ne sais pas. Deuxième chose pour laquelle j'y allais. Je voulais absolument ces photophores. Voilà, je les trouve trop beaux. Ça fera très beau dans mon fond et je vais m'en servir également pour ma déco de table, je pense, pour mon anniversaire. Parce que je trouve très, très, très joli. Alors, ils sont collants. La colle qu'ils ont utilisée dessus pour coller les strass est un peu collante, mais bon, c'est pas le genre de truc que vous manipulez H24. Et je les ai trouvés très beaux. Ils sont très lourds, hein. Enfin, très lourds à tenir comme ça. Mais je les trouve vraiment superbement beaux. Et pour mettre une de mes fausses bougies à l'intérieur, même une vraie, hein, si vous voulez. Mais voilà, je mettrai une fausse. Ouais, on y allait pour quatre trucs. Donc les sacs poubelles, les photophores. J'y allais pour... Oups, ceci. Donc j'ai pris deux boîtes, les cupcakes licorne. Je les ai déjà fait une fois. Alors ils sont super bons, hein, le colorant à l'intérieur. Si vous faites une recette de cupcake classique, vous ajoutez vos colorants et vous faites la même chose.
Là, moi, je les ai utilisés et ils sont vraiment très bons. La poudre est déjà colorée. Vous pouvez en faire 10, je crois, à l'intérieur. Ouais, 10 cupcakes. Ils sont très légers, ils sont faciles à faire et ils sont vraiment pas chers. Donc voilà pourquoi se casser la nénette. Hein. Et j'ai pris ça comme dessert pour mon anniversaire, pour aller avec le thème de mon anniversaire qui sera sur les cupcakes. Voilà, parce que j'ai envie. Donc, c'était la troisième chose qu'il nous fallait absolument. Et je voulais également trouver les masques de la Saint-Valentin, parce que j'aime bien acheter les masques par saison. Donc, je les ai trouvés, donc je vais vous les montrer. Si je dis pas de bêtises, il y a quatre modèles différents. Alors, vous avez d'abord le petit Teddy, You Are Very Special, à la vanille. Je parie qu'il y en a un au titri hein, dedans, mais j'ai pas pensé à regarder. Voilà, il est trop mignon. Le masque qui ressemble au petit et à la petite tête de nounours. Vous avez celui avec les petites petites cures. Love is a super power, à la fraise, avec plein de petits cœurs. Il est trop mignon. Il n'y en a pas au titri. Vous avez celui avec les fleurs, le Stop and Smell the Flowers, à la cerise. Avec des fleurs dessus, bien évidemment. Et le dernier, c'est le petit Cupidon, Love is in the air, à la pêche. Et c'est encore des petits cœurs et des petits Cupidons, le masque. Donc voilà. J'y allais pour ça. Le reste, c'est du superflu. Hein. Et notamment de la boutique. J'ai pris les Monsieur Brownie. J'avais trop envie de les goûter. Ça a l'air trop bon. C'est des petits brownies. Donc avec des Smarties hein, par-dessus. Il y en a 8 emballés par sachet individuel. Voilà. Si vous mettez des petites collations pour vos enfants pour aller à l'école, c'est sympatoche. Chéri a repris ses Flying Saucers. Ça aussi, ça fait partie de ses must-haves. J'essaye de trier ce qui est bouffe. Alors, j'ai repris quelques-uns, mais je ne sais plus, 4 je crois, des Needles qu'on a comme ça au bœuf, que moi j'adore. Ils sont vachement moins chers en France. On a été au Nouveau qui vient d'ouvrir tout près de chez nous, là, à côté du Auchan. On a trop de actions près de chez nous. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ou 6 actions à proximité. Donc quand je cherche quelque chose, en principe, j'arrive à le trouver. Donc voilà, je me suis surpris ça. Moi, c'est des petits repas faciles que je peux me faire à midi quand je suis toute seule. Et je crois que question bouffe, on est à peu près bon. Alors, Chéri a pris un truc. Je crois qu'il n'a pas vu que c'était coloré. De la peinture à bois. English Red, il a pris, je sais pas du tout. La couleur est jolie, hein, mais je sais pas s'il a vu que c'était coloré. Je me demande s'il a pas. Je sais pas si c'est pour mettre tout. Je sais pas si c'est pour mettre en bas sur les tours de pot. Je sais pas. Du coup, il a pris un set de 10 pinceaux pour la bec. Ça aussi, c'est pas comme si on en avait 15 millions dans la maison, mais qui sait pas où ils ont, où il les a rangés. Ou alors il les nettoie pas, puis il les jette, il en rachète. Toujours pour ma déco de table pour mon anniversaire. Alors j'en voulais deux, mais c'était la dernière en rose. J'ai pris cette bougie. Ah oui, elle sent. J'avais pas fait attention qu'elle sentait. Voilà. Je l'ai trouvée super jolie avec les petites bouboules comme ça. J'aime bien avoir une bougie sur ma table. Et ben voilà. Alors. Toujours pour mon anniversaire, mais également pour les autres occasions, j'ai pris cette fois-ci réutilisables, les petits pots comme ça, plastique, c'est nouveau. Hein. C'est les mêmes que ceux en carton que j'avais acheté pour l'anniversaire de Sam, sauf qu'ils sont carrés ou rectangulaires, là ils sont ronds. Vous avez un lot de 4 ronds comme ça, très joli, transparent avec des petites étoiles, donc pour toute occasion ça passe. Et j'ai également pris le lot de 4 assiettes qu'elle a avec pour mettre les chips, et les saucisses et compagnie. Ici c'est plus pour les cacahuètes, les apéricubes, vous voyez ce genre de trucs. Là c'est plus pour les chips, les toasts. Et compagnie. Alors j'ai pris une rallonge tout simplement, c'est une assez courte mais il me fallait pas une très grande, c'est juste pour brancher la PlayStation. Voilà, il y a 4
quatre fiches. Je la trouvais très jolie en forme de rond comme ça. Et en plus, c'était la moins chère de celles qu'ils avaient. J'avais encore repris des ampoules. Je crois qu'on a au moins un stock de 20, une vingtaine d'ampoules dans la maison. Et voilà. Donc, c'est un lot de 3 600 lumens. C'est des LED. Voilà, tout simplement. Je me suis repris un pack de 4 briquets. Alors, il n'y a plus les beaux que moi j'aime bien. Mais bon, c'est les seuls électroniques qu'ils ont pour l'instant. Donc, j'en ai repris un quand même en dépannage. Et j'ai pris, alors c'est des piques à tapas, mais on ne trouve plus des belles piques apéritifs décorées en métal ou en plastique, hein, puisqu'on ne peut plus acheter des trucs en plastique. Donc maintenant, c'est tout en bambou. Donc j'ai pris ceux-là pour mon apéritif, parce que je trouve ça plus facile que des cure-dents, par exemple. Alors, on va passer au toutou. Ah oui, je leur ai pris leur gros sac de friandises habituel, mais je sais pas où il est. Il est peut-être resté en bas. Alors, j'ai pris un jumbo classique gros comme ça pour Ryan, tout simplement. Il aime beaucoup, donc de temps en temps, on lui en achète un. Et en parallèle, pour les deux petits, j'achète les Rodeo. Voilà, parce qu'il les aime bien aussi. Et j'ai craqué sur ce jouet. Voilà, j'ai craqué dessus. Il y avait jaune, mauve, bleu, mais normalement il y a 4 couleurs, mais là il y en avait que 3 de dispo. Alors autant vous dire que ça fera pas long feu avec Riley, hein. Elle va s'amuser à détricoter, enfin c'est tressé, donc elle va s'amuser à détricoter le tout. Mais voilà, ils adorent avoir des nouveaux jouets, les deux petits. Donc le gros joue pas trop avec des jouets, il préfère jouer avec Mimi ou avec les deux petits. Mais les deux petits vont être super contents. Et on va terminer avec la partie soin. Donc, on va commencer avec... j'ai pris des crèmes pour les mains. J'en ai pris deux. C'était les deux seules qu'il y avait. J'ai dû faire 3 fois le magasin pour les trouver. Voilà. Elles sont kiki. Je ne sais pas s'ils disent qu'elles sentent. C'est pas marqué. Mais bon, avec mes problèmes d'ongles en ce moment, j'ai souvent très mal les mains. Donc, je mets beaucoup de crème pour les mains. Or que j'en mets jamais d'habitude. Mais là, j'en ai un gros stock. Donc j'ai pris les deux qui étaient dispo, quoi, voilà, tout simplement. Puisque je n'en ai pas énormément de stock. J'avais les deux petites du calendrier de l'avant, Action et Balea. Mais je les ai terminées. Heureusement, il me restait une brochée, qui sent divinement bon d'ailleurs, que j'avais reçue il y a 2 ans en cadeau de la part de chérie. Pour les cheveux, j'ai enfin trouvé le mascara, vous savez, pour les frisottis. Alors, également pour les sourcils, en fait, je pense que c'est juste Noglissi. C'est juste un mascara transparent. Voilà, on va pas trop voiler la face, c'est peut-être Apnigo. Je le fais souvent quand j'ai des mascaras transparents ou marrons, quand je dois cacher mes racines. Donc si vous achetez un... Alors celui-là il est pas cher, donc on s'en fout, hein. Mais si vous achetez un mascara transparent pour les sourcils, je pense largement que ça fait exactement la même chose, hein. Oh, ça sent super bon par contre. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, c'est moins collant, je pense, quand même que... Regardez, on va essayer ici sur ma petite cahuète, là, à chaque fois que ça part en cacahuète. Mais ouais, quand ils sont lissés, ça fait la même chose, hein. Bon, écoutez, on testera ça mieux quand je ferai une coiffure où j'ai les cheveux un peu plus tirés. Mais voilà, bon, écoutez, je l'ai trouvé. J'ai également trouvé le Air Science Balancing Scalp Treatment au niacinamide. Donc, il faudra que je regarde comment ça fonctionne. Sérum équilibrant pour le cuir chevelu. Appliquer le sérum sur le cuir chevelu et masser. Peut-être utiliser sans rinçage. Ça, c'est pas mal. Je l'ai vu pas mal passer sur la chaîne de... je sais plus comment c'est. Elle fait toutes les nouvelles arrivées, en fait, de chez Action. Et elle en a parlé plusieurs fois en disant que ses abonnés lui disaient qu'il était super. Donc, je me suis dit, je vais tester. De toute façon, ça fera du bien mon cuir chevelu. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, j'ai pris deux, je suis contente de les avoir trouvés, les Pantene Pro V Miracle 7 en 1. Donc il y a de l'huile de castor de ricin,
La biotine est de l'eau de rose, sans huile apparemment, si je comprends bien. Alors, 7 en 1. Alors, attendez, c'est écrit là. Huile capillaire, renforce les cheveux fragilisés par les agressions liées au coiffage. 2. Empêche la formation de fourches. 3. Permet un démêlage plus facile des cheveux. 4. Protège les cheveux fragilisés des accessoires chauffants. Donc, vous pouvez vous en servir comme protecteur de chaleur. 5. Donne un éclat léger aux cheveux. 6. Dompte les frisottis et les mèches rebelles. 7. Diffuse une odeur agréable et rafraîchissante. Appliquer sur cheveux secs ou mouillés, ne pas rincer. Donc, c'est... je sais pas si c'est un pchit ou une huile. Je testerai, j'ai fini justement l'autre, le spray curl, là. Donc, je vais pouvoir tester celui-là ce soir et demain. Et le truc, il sèche pas les cheveux, hein. Ça fait moins sec qu'un mascara. Donc voilà, on testera plus en détail, en profondeur, probablement pendant le vlog. Et voilà, donc voilà ce qui conclut mon haul action où il me fallait que 3-4 choses. Et où j'en ai pour 85 balles. C'est la trappe couillon, hein. Alors, ah oui, j'ai acheté aussi, enfin chérie a acheté un arbre magique pour mettre dans la voiture. Il a une voiture de remplacement au boulot parce que la sienne n'est pas passée au contrôle technique, donc c'est tout un bordel. Je l'ai oublié à la caisse. Bien sûr, j'y suis retournée tout de suite, puisque chérie m'avait dit, tiens-le, comme ça on le met tout de suite dans la voiture. Mais je l'ai oublié à la caisse. Et il n'est pas dans le sac. Et je suis repassée directement, et les gens qui étaient derrière, oh non, on n'a rien vu. Par contre, t'as bien vite reculé ton sac pour pas que je vérifie nos sacs, hein. Mais bon, c'est pas pour 1,19€, hein, vous me direz, mais voilà, c'est le principe. Maintenant, je sais pas si j'aurais pas fait pareil. Hein. Bref, on n'est pas à ça près. Donc voilà, j'espère que ce petit haul action, enfin ce haul action, on va pas dire petit, hein, vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve dimanche en vlog, et moi j'ai plus qu'à vous dire, besos.